Super Wochenende. Sparen, aber Logo. Ah là là, il y a des occasions qui se perdent. Regardez un peu ces slips pour dames. Damen slip. Hipster, c'est marqué dessus. Hipster. Combien? 95%. Putain, il y a vraiment des trucs incroyables. Je vous parle pas de ça, évidemment. Je vous parle des nouveautés Varum qu'on va venir la semaine prochaine à Paris. Si vous êtes là, il faut venir. Vendredi soir de la semaine prochaine. Et notamment de la musique actuelle pour les sourds et malentendants. Vous le savez, la musique, c'est vraiment pas ma grande passion. Je voue un culte à Jean-Jacques Goldman. Autant vous dire, je ne connais rien à la musique. En même temps, Jean-Jacques Goldman, quoi. C'est pas si mal que ça, envole-moi. Enfin bon, bref. Et donc, j'ai fait ce livre parce que j'aime bien les gens qui parlent de leur passion et spécialement de choses sur lesquelles je ne connais rien. Et donc, voilà, la musique actuelle pour les sourds. Alors déjà, il faut voir que c'est quand même un assez bel album, hein, au départ. C'est fait par Dampré Midjack et Terreur Graphique. Dampré Midjack, pour ceux qui ne savent pas, c'est le scénariste des Dérapages Comics, qu'on a déjà fait. Et Terreur Graphique, pour ceux qui ne connaissent pas, bah les gars, faut sortir, quoi. Terreur Graphique, merde. Voilà. Et donc, ça vous parle de la vie d'un authentique fan de rock, qui est en plus critique musicale. Graphiquement, ça envoie assez du lourd. Bon, c'est sale, bien sûr, parce que c'est Terreur Graphique. Donc, il y a toujours plein de personnages avec des petites gouttes de sueur, là, comme ça. Mais c'est assez drôle. Et c'est très très cultivé sur la culture rock, donc évidemment c'est sexe, drogue et sexe. Mais c'est bien, c'est drôle. Et alors l'autre truc, c'est plus que bien en fait, hein, mais bon, c'est juste que je ne peux pas parler pendant des heures de tous les livres. Surtout que là, je dois parler de ça, le livre des nuages. Et le livre des nuages, c'est notre premier livre entièrement berlinois, puisque c'est un livre qui a été dessiné à Berlin, édité à Berlin. Que le roman dont c'est adapté a été écrit aussi à Berlin et parle d'une fille qui s'installe à Berlin. Et comment vous dire, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est du monotype, c'est-à-dire qu'elle dessine sur une plaque enduite d'encre. Et elle dessine au dos des feuilles et après ça donne des effets de matière incroyables. Alors je ne sais pas si vous remarquez, mais on a fait des marges exprès microscopiques, voire pas de marge du tout. Pour créer une ambiance vraiment très étouffante qui va vraiment bien avec l'histoire et avec l'ambiance. Et voilà, et c'est magnifique, c'est très 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 beau. Le texte est bien aussi, voilà, l'auteur s'appelle Fabienne Lotz, elle est belge, et c'est une merveille. Voilà, hop, donc le livre des nuages, et la musique actuelle pour les sourds, et Damen Sleep. Damen Sleep.